Alors, dans le premier temps, on va compter les V-Bucks. C'est ce que je vous présente d'habitude sur les passes de combat. Donc, on va compter ensemble. Donc, on va commencer par le premier V-Box. Ça fait 1, 2 V-Bucks, 3 V-Bucks, 4 V-Bucks. J'ai dépassé, ça va exprès. Donc du coup je disais 4 V-Bucks, 5 V-Bucks, 6 V-Bucks, 7 V-Bucks, 8 V-Bucks, 9 V-Bucks, 10 V-Bucks, 11 V-Bucks, 12 V-Bucks, 13 V-Bucks, 14 V-Bucks et 15 V-Bucks, mes amis. On a 2 V-Bucks en plus. De plus en plus, on a de plus en plus de V-Bucks. C'est bien. Vraiment, on est vachement bien payé. Hop, maintenant, on va regarder au niveau des skins. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des skins? On va tous les citer un par un. Qu'est-ce qu'on a comme le skin en premier? On a Nolan Chance. Nolan Chance, bah, il faut jamais parer contre les cerveaux. Donc c'est le premier skin à débloquer dès que vous débloquez le pass de combat. C'est le premier. J'espère en tout cas qu'il va me porter chance pour faire le top 1. Si je tombe sur lui, parce que moi je suis skin aléatoire. Donc le variant de Nolan Chance. Tactique, entre parenthèses, bien sûr, tactique. Qu'est-ce que vous en pensez de ces matchs? Oui, c'est vrai que c'est bien. Hein. Côté militaire, de toute façon, est-ce qu'il est côté du méchant ou des côtés des gentils? Mais d'après ce que j'ai vu sur la vidéo, c'est plutôt des voleurs, on sait pas. Je sais pas. Après, on a qui? On a Vicky Veloce. Elle livre la victoire à domicile. En voyant sa tenue, qu'est-ce qu'elle présente? Qu'est-ce qu'elle présente? Qu'est-ce qu'elle présente? Plutôt pizza. Ah ok, ça. Moi, je voyais plus ce côté rallye ou un truc comme ça. Donc, ouais, ok, c'est une livreuse de pizza. Du côté variante, elle est comment? Oh là 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 là, c'est stylé! C'est stylé, mes amis. Avec un petit truc de chewing-gum, là, c'est un style de plus. Ça, c'est bien. Vraiment, j'adore. Ensuite, on a qui d'autre? Musculaire. Oh. Musculaire. Ouf. Moi, je l'appelle plutôt Musculator. J'ai jamais vu un poisson aussi musclé. Et surtout, c'est Néo. Ok. Musculaire, Buffon, Aiglefin. Non, par contre, le côté. Côté variant, je suis pas très très fan. Hein. Limite, je préfère d'avant. Mais bon, après, voilà, quoi, ça reste un skin rare. On va dire rare parce que c'est skin de passe de combat. Ensuite, on a quoi d'autre? Mae. Bon, donc, Mae. C'est le skin manga. Style, stylé, stylé, stylé. Donc, il rejoint les autres skins manga. Hein, donc, Mae. Une hackeuse impulsive au sens de l'humour explosif. Ok, vaut mieux pas habiter à côté d'elle parce que sinon, voilà, vous savez déjà ce qui vous attend, quoi. Allez, côté variant, Maé, chapeau noir. Oh là là là. Mais ils se font pas semblant, hein. Vraiment, ils font pas semblant au niveau de. Là, ils mettent un peu plus de temps pour réfléchir, mais vraiment là, c'est. Oui. Au début, je vous avoue que je dis, ouais, les skins et tout ça, du chapitre 4, saison 4. En fait, je regardais sans regarder, en fait. Maintenant que je regarde plus près, je suis bluffé, comme d'habitude. Antonia, tenue épique, bien sûr. Oh là là, elle me fait rappeler le skin, je sais plus comment elle s'appelle, mais dans. Donc, comment elle s'appelle Jennifer, elle me fait rappeler Jennifer dans Midas. Ah oui, oui, des mêmes coupes de cheveux, mais bon. Bien sûr, c'est pas Jennifer, c'est Antonia. Voilà, faut pas confondre. Donc, la distraction est sa marque de fabrique.
Bon, on va dire c'est un petit peu du slogan et tout ça, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Moi, ce qui m'importe, c'est le skin. Donc, du coup, des variants. Antonia, assaillante, chic. Déjà, c'est même pas encore le vrai variant. C'est déjà au top. Vraiment, le style, j'adore. Avec le masque, là, moi, c'est plutôt masque de la soirée, ça. C'est une soirée carnaval, un truc comme ça. Kabilam! Bon, attendez, 100 mots, allez, une minute de silence. Et voilà, c'est ça qui le rend célèbre. Moi, oui, là, il le fait très bien. Il le fait très bien, d'ailleurs. Ouais, bienvenue. Ce sera un skin que je veux, c'est forcément débloqué à tout prix, hein. Ah oui. Ouais, ok, oui, voilà. Donc, côté variant, oh, je suis pas très fan. Par contre, je suis pas très fan côté variant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et par contre, là, ils ont déconné, les gars. Ils ont déconné. Dites-le-moi dans le commentaire. Est-ce qu'ils ont déconné ou pas? Peut-être comme ça, mais garder sa forme naturelle. Vraie, la vraie, la vraie, sa forme. Là, oui, non, c'est, non, non, arrêtez, les gars. Arrêtez, arrêtez. Moi, je veux juste qu'ils remettent ça, le même, mais. Comme ça quoi, mais comme ça, rajouter bandana sur la tête, enfin du bandeau quoi. Voilà, non, 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 ils ont pas dû faire ça. Par contre, là, je suis pas d'accord. Allez, passons au prochain et le dernier. Cadeau Thorn. Bon, ok, bon, encore avec une masque de carnaval. Ah, j'ai pas lu ce qu'ils ont marqué sur Kevin. La simplicité avant tout. Bah oui, voilà, ça veut tout dire. Il faut toujours chercher la simplicité. Il faut pas compliquer la vie. Voilà, ça c'est un bon slogan. Cadeau Thorn, un voyageur vorace qui apprécie seulement les choses raffinées. Ça dépend. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On ne sait pas. De toute façon, je ne verrai pas dans la saison. Hein. Mais par contre, les masques, ils ont rajouté un truc faux. Toujours stupéfiant. Après, oui, au niveau des skins, il y a forcément l'histoire derrière. Ça vient sûrement de quelque part, mais on ne sait pas d'où. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas. Moi, je suis seulement stupéfié par le travail. Alors, le transformation. Ah là 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 là, magique. Bah non, non. Non, par contre, là, non, 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 non. Le masque. Ouais, ça sourit, ok, d'accord. Mais bon, allez, on va accepter ça. Hein. Voilà, je fais le tour. Mais par contre, je vais pas aller voir les émotes et les objets de collection. Je suis vraiment désolé, mais de toute façon, ce qui importe, c'est les skins et les V-Bucks. Donc. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à cliquer sur like. N'hésitez pas de commenter. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'appuyer sur la petite cloche entièrement pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!